Non, poula, poula. Donc, ce que je vous disais au panne, c'est intéressant. Soit les gars étaient très loin là, pour toucher les légers, ils tentaient de prendre un tout petit peu le pied et bam, ils s'asseyaient. D'accord? C'est relou, mais en compète, ça arrive souvent. Et souvent, quand c'est des légers, tu vois les deux qui s'assoient en même temps. On appelle double push. Autre chose qui est intéressant, c'est ce qu'on voit cette semaine. Il y a des gars qui commencent à faire ça normal, ils voient que le mec a un trop explosif. 2-1. 2-2, quoi. Les deux sur le col. Ce qui va être là, lui, s'il a envie de bouger. C'est-à-dire, bouge. C'est une vraie galère. D'accord? Donc, je prends les deux, je pose ma jambe, je vais sur le côté. Ok? Je maintiens d'un côté, là où j'ai pas posé ma jambe, j'insère, je vais prendre, je reviens, je passe à cheval, je cut, je contrôle. Donc en fonction si vous êtes déjà venu cette semaine ou pas, vous arrêtez au petit 1 ou au passage de garde, mais au sweep ou au passage de garde. Faites pas tout à chaque fois. Déjà, faites un bon pull guard, ça ira. On est là, je suis ici, je lutte un peu, je mets mon devin, je pose ma jambe, je vais sur ma fesse. D'accord? Cette jambe, elle s'en sert, je vais prendre son pied, je kick et je retire mon pied. Je kick, retire. Je passe au-dessus. Là, quand on est en e-cut, je sens que mon partenaire soit sur le dos. Là, c'est chiant pour lui. Je prends son petit bras, je décale, je viens. Voilà, il m'a laissé le bras. Je prends. Hop, on est là, on est ici, je travaille. Tiens. Une des choses intéressantes, c'est que parfois votre partenaire, comme il se sent pas bien, il veut s'approcher de vous. D'accord? Ce qui peut arriver. Là, c'est un avantage pour moi. Hein. Je tire sur l'avant. Et je relève. Je récupère. Ok. Là, là, j'insère, je prends, d'accord, je ramène, je prends, je passe au-dessus, je cale, voilà. Ouais, je vais aller, vous pouvez commencer à aller être un peu offensif. N'oubliez pas, notre idée, c'est d'adresser nos partenaires. Allez, vers, ok, allez, on dit.